Salut à toutes et à toutes, c'est Igen et donc on se retrouve pour la troisième partie de Xena, Princesse Guerrière. Et donc, on allait pénétrer dans le château la dernière fois qu'on s'était arrêté. Et donc, voilà. Attendez, voilà, je baisse complètement mon son de la télé pour que je puisse avoir un programme assez restreint. Un programme assez restreint, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Pousser la catapulte pour l'enrouler, puis trancher la corde pour tirer. D'accord. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait ce niveau. Là, il va falloir que je trouve des. Il faut absolument que je trouve des. Voilà, de ça. Ok, je me fais agresser de partout. Là, c'est fait. Là, ça s'est fait. Il y en a un là. Donc, comment vous allez-vous? Moi, ça va super bien. Non, là, il m'a de là. Faut absolument que je me casse d'ici. Voilà, ça sent ta gueule. Voilà, on sent ta gueule. Voilà, on sent ta gueule. Donc je suis pas très éloquent maintenant. Je suis désolé, c'est juste que je viens de tourner une vidéo avant, je pense que vous l'auriez entendu. J'ai plus de voix à cause de ça. J'ai vraiment plus de voix. Donc je sais pas du tout comment faire. Je sais pas du tout comment je vais faire. Donc, on va essayer d'avancer beaucoup dans cet épisode. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Voilà. Ça c'est toujours bien de récupérer ces potions de merde. Je vais récupérer celle qui est là-bas. Voilà, prends ça dans ta gueule. Donc là on a un peu de réserve de potions. Super chakram, cette arme recherche et abat les ennemis alentour. D'accord. D'accord, ça m'est utile. Non mais je l'avais. Ah, il s'est pris une flèche. Eh oui, ça c'est bien de se prendre des flèches de ses camarades. Ok, donc ça, tu as décidé de me gonfler, hein, c'est ça? Bon, voilà, ça prends-toi un coup de pied dans la gueule aussi. Ça fera du bien. Non, mais je l'avais. Bon, pas trop près de la catapulte. Voilà, prends-toi un coup d'épée. Voilà, ça c'est fait. Ok, donc toi t'as essayé de me faire chier. Hein. Mais bon, d'accord. Avec ton copain. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Ok, donc ils ont vraiment décidé de me faire chier. Hein. Ok, donc là il n'y a plus personne. Je vais essayer d'aller prendre quelques potions qui me restent. Ok, il y a du monde. J'ai bien peur que tu ne sois pas invité. Super. Je vais buter le mec là qui essaie de me snipe. Ah. Je sais pas du tout où il est. Je me prends les flèches de je sais pas où. Ah d'accord, de là. Il va falloir que je tourne. Bah oui.
Alors, visons, visons. Ça m'a pas l'air bien là. Ouais, là c'est bien. Là. Donc il y a l'air d'avoir des trucs en haut, c'est cool. C'est-à-dire que je vais pas y aller pour rien. La main de Zeus pour infliger à vos ennemis le coup de leur vie. Oui, ça va m'être utile. Conseil d'enfoncer les machins, on s'en fout. Voilà, ça, je savais qu'il y en avait un là. Je l'avais vu tout à l'heure. Oui, mais t'es transparent, Xena, tu vois. On sait que t'es belle, mais... Bon, pixelisé, t'es pas belle, mais... Il y a deux ennemis en bas, je les avais vus. D'accord, allez hop. On va prendre le Super Chakram 2. Et commencer à buter du monde. J'ai entendu crack, 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 crack. Eh ben oui, allons-y. Ouais, ça va être chaud, hein. Ils font quand même mal, hein. Ils sont en armure et tout là. Ouais, ça t'apprendra. Voilà, ça t'apprendra. Donc faudrait que j'essaye de battre celui qui a le moins de vie. Ça a l'air d'être lui. Voilà, ça c'est fait. J'espère avoir... Ah, il me reste encore une potion à peu près. Non, c'est bon là. Ah, c'est bon quand même. Je vais pas crever maintenant. Voilà, il est où lui? Il est là. Assez joué, Valarian. Où est Gabriel? Elle est dans ton... nez. Elle a été choisie pour une cérémonie très spéciale. Ton joli nez. Son sacrifice aidera à faire régner le nouvel ordre mondial. Donc là, vous allez avoir une petite Mais surprise. Le temps passe. Je dois la conduire jusqu'à son maître. Ah, qu'est-ce que t'as mal au ventre? Ah non, d'accord, oui. C'est un minotaure. D'accord, tout va bien. Tu peux courir, mais tu... Et donc là, ça va être un niveau que je déteste. Absolument. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc j'avais tourné cet épisode, en fait je l'ai tourné il y a un jour ou deux. Et sauf que j'avais pas enregistré, donc je suis obligé de vous le faire maintenant. Oui, j'ai complètement bugué, bah mon ordi a complètement bugué, donc tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. Car j'ai rien. D'accord, c'est fermé. Je suppose qu'il va falloir... Attendez, j'ai envie de voir ce qui est marqué, j'ai pas été hier. Salle des tortures, sur rendez-vous uniquement. Pas mal. Pas mal du tout. Donc c'est bourré de pièges. Pour délivrer... Attends. Délivrer Gabriel, vous devez trouver le vieux qui ouvre la porte de la salle des tortures. D'accord. Donc oui. C'est bourré de pièges. Vous allez voir pourquoi. Mais en fait, c'est une espèce de... Il y a des espèces de bestioles que je déteste. Comme dans la vraie vie d'ailleurs. Vous verrez bien dans quelques petites... Dans quelques petites secondes. Je pense. Attendez. Hop. Non mais non. Ah. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, hop. Non, bah, je croyais avoir trouvé une de ces bestioles dont je vous parlais. Non, on l'a pas encore trouvé. Ah si, la v'là. la v'là. Je déteste ça. Elles sont super bien faites, je trouve. Même si c'est pixelisé, je trouve que c'est quand même bien fait.
Ah, je les déteste. Dans la vraie vie, ils me font pas peur, mais je les déteste. Ces bestioles de... comment ça peut exister, je sais pas, mais... C'est moche. Ah. Ah, mais non, mais c'est pas vrai, foutez-moi la paix. Donc la grande barre en haut, c'est le boss de ce niveau. C'est déjà un grand boss, hein. Je crois que c'est en plus c'est notre premier, non? Attendez, bah si, c'est notre premier boss. C'est notre premier boss. Attendez. Voilà. Ouvre-moi la porte. Ça c'est fait. Oui, donc ça va être notre premier boss du jeu. Il y en a beaucoup. Attendez, parce qu'en fait on a commencé quand... Ah bah non, le boss... Oh, c'était pas un boss. T'es où là? T'es là. Voilà. Le premier boss était sans doute le cyclope, mais il nous a rien fait. Mais dégage, fous-moi la paix. Je déteste ces bestioles. Je déteste ces bestioles. Je vous jure. Voilà, donc c'est ouvert. C'est ouvert, c'est ouvert. On va y aller maintenant. Zena, où es-tu? En fait, je vous explique. Là, vous allez voir. Ça vous rappelle personne? Eh bien, on va se battre contre le Minotaur. Et donc, ça va être super. Bah, enfin, je pense. Je pense que ça va être bien. Tu viens, oui? Ok, donc on le voit pas s'enfuir, par contre, ça c'est dommage. Parce qu'en fait, on le voit pas du tout s'enfuir. Donc. Ok, donc là, il y a quoi? Oh! Ah, ça va m'être utile, ça. Diminuer les dégâts infligés par l'ennemi. Ok, il n'y a personne. Ah, je vérifie toujours avant de... Parce que c'est bourré de... Voilà, c'est bourré de pièges. Le mec, il fait pas attention, il tombe dedans. Alors ça, je peux vous dire que c'est mortel. Vu qu'il n'y a rien en dessous. Mais non, il m'a pas eu, là. Ah, vous l'avez vu s'enfuir, là? Avant, on l'avait pas vu s'enfuir, mais là, on l'a vu. Donc, le boss est là. Mais moi, je vais vous montrer quelque chose avant. Si je me souviens où c'est. Ça a l'air d'être par... Là, c'est ça. Et après on tourne, et voilà. Donc, regardez ce qui se passe derrière cette... Donc nous sommes dans les locaux du jeu. Avec des photos de la série. Avec de la, et de l'actrice. Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus du tout. Si, normalement je sais. Non, bah je sais plus, désolé. Xena, c'est... non mais Lucie Loles, voilà, Lucie Loles, qui est une excellente actrice. Et donc vous voyez les là c'est un peu les locaux du jeu, ou alors de la série, c'est un peu voilà, c'est à vous de décider vu qu'il y a des photos de la série et tout ça. Donc je trouve ça c'est pas mal, c'est un petit bonus que je voulais vous faire. Voilà, donc essayons d'aller buter ce monstre. Et j'étais rendu là quand le bug avait... Quand je me suis rendu compte que je ne filmais pas. Faut que je fasse gaffe quand même. Il est où? Non. Aouh! Tu fais mal toi, espèce de... Connard de merde. Oh punaise, non. J'ai plus de... Non. Oh, j'ai mort. Je suis mort. Au moins, je recommencerai là.
Par contre, j'ai plus de... Le chakra est efficace, est l'arme la plus efficace contre le Minotaur. Non, j'ai plus de... Je vais mourir. Je vais mourir. Ouais, voilà. Je savais. De toute façon, je le savais. Puisque, voilà. J'ai plus rien contre deux pour me défendre. Il faut que je le bloque quelque part. Je suis obligé. Puisque je peux rien faire autrement. Je peux absolument rien faire. Ah, bah c'est pas là. Là, j'ai réussi à le bloquer. Non, j'ai pas réussi à le bloquer en fait. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Jusqu'au coup. Ah non, attendez. Parce que là, j'ai vraiment plus de vie. Hein. Une touche, voilà. Il me touche une seule fois et je suis mort. Sauf que là, lui, je me touche une seule fois, il est mort. J'ai pas envie de recommencer. Ah, la vache. Quel fumier. Je l'ai eu ? Oh non, mon dieu, je l'ai eu de justesse. Oh mon dieu, j'ai vraiment eu la trouille là. Parce que sinon, j'aurais dû tout recommencer. Donc regardons ce... Mais j'ai entendu ce traître comploter avec de perfides Amazones. Ah les Amazones, oh non. De sacrifices humains et de nouvel ordre mondial. J'ai entendu parler d'un village d'Amazones près d'ici. Allons leur rendre une petite visite. Et ça sera notre dernière mission pour aujourd'hui. Donc voilà, vous vous souvenez sans doute du parchemin que j'avais oublié. C'est pas bien grave. De toute façon, Pierre, vous regardez sur internet pour savoir. Valerian n'est qu'un pion dans une conspiration plus vaste. Gabriel a été choisi comme victime d'un sacrifice royal. Les Amazones toutes proches en savent sans doute plus. Malheureusement, elles semblent être sous l'emprise d'un sort mortel. Le village des Amazones. Donc, c'est un super... Voilà, donc vous voyez, ça commence déjà avec donc je préfère me battre avec un bâton, c'est un peu mieux pour se battre contre elle. Donc qui a une durée de vie limitée, pardon. Voilà, ça t'apprendra. Il n'y en a pas d'autres. Personne n'a envie de jouer avec moi? Ah si. Voilà, ça t'apprendra. Et toi aussi. Voilà. Je vais essayer de trouver des... Comment ça s'appelle déjà? Non, toi tu me lâches. Ça va, compris. Donc Gabrielle a aussi une durée de vie limitée. Seulement elle peut pas se régénérer. Même si j'ai des potions. Donc il faut vraiment la sortir de là. Parce qu'elle peut mourir. Et donc si vous mourrez, c'est la fin de la mission, vous pensez bien. Vous devez trouver la clé de la porte du village. Ne quittez jamais Gabriel des yeux. Voilà, je vous l'ai dit. C'est exactement ce qu'il faut faire. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Elle a l'air de bien... Mais tu vas me lâcher, toi. Hein. Ah si, donc oui, quand j'ai assez de potions et que je perds de la vie... Gabriel peut se régénérer, en tout cas régénérer sa santé. Il faut absolument que je l'ai celle-là. Non mais non, c'est pas vrai. Non mais je l'avais... Oh, bien. Voilà, ça t'apprendra. Oh merde. Ah, j'avais pas vu celle-là. Donc je peux pas lui mettre de coups à Gabriel. Sinon ça serait trop dur. Voilà.
Pensez bien. On a aussi le thème de la série, je crois. Là, maintenant. En ce moment, on a une musique de la série. Voilà, donc je change de bâton, ça va m'être utile. Tu vas me foutre la paix, là. Donc, sont moins coriaces que les... Voilà. Non, c'est pas Gabriel qui doit faire gaffe. C'est plutôt la fille à qui elle a foutu un pain. Mais tu viens là, toi? Mais qu'est-ce que tu fais? T'es con, quoi. Elle est con, je trouve. Donc, je suis complètement perdu, en fait, là. Parce que j'essaye. Oui, c'est un... Toi, tu t'occupes de l'autre, moi, je m'occupe de celle-là. Voilà. J'essaye de trouver des vases. Donc, qui comportent... Oh, ça, c'est bien, ça. La lame de Prométhée, partagez avec vous, avec vos ennemis, pardon, les joies du feu. Ah oui, ok, je vois. Ça va enflammer le bâton, ou je sais pas quoi, l'épée. Ah, ben voilà, c'est bien. Sans deck, les clés permettent d'ouvrir les portes, ça je savais pas. Ah, t'essayes de te cacher, vilaine. Voilà. Oh, il y a des grenouilles, c'est trop mignon. bon. Ok, donc toi tu me cherches, hein, c'est ça? Voilà, ça c'est du feu, tu vois, ça c'est... Je t'explique. Je vais te cramer la gueule. Ah! C'est horrible. Info, les Amazones ont caché la clé hors de vue. Non mais ça y est, j'ai déjà trouvé ta clé de merde. Hop, t'as pas eu le temps. On a eu chaud, on a eu chaud. Donc ça, je récupère. J'ai pas autre chose. J'aurais aimé avoir autre chose. C'est dommage, j'ai pas plus de potions là. Pourquoi tu t'appelles Xena? Mais elle est con, quoi. On est d'accord, elle est derrière moi. Non, d'accord, t'as bugué. Faut arrêter de bugger, tu sais. Y a pas que les bugs dans la vie. Non, bah bon, ça a l'air d'être par là. Donc on a fini ou j'ai autre chose? On a fini. Donc, eh ben en tout cas, ça aurait pas duré très longtemps. Quoique, est-ce que j'ai le temps de vous faire la suite? Je vais voir. Je vais voir, de toute façon, voilà. Sauvegarde, ça c'est cool. Ça c'est bien aussi. Donc je vais vous le lire. Les perfides Amazones tendent un piège à Xena et Gabriel. Elles veulent les séparer afin de pouvoir mettre leur plan à exécution. Gabriel ne doit pas s'éloigner. Xena doit éviter les attaques furtives et l'eau. Que de danger en perspective, flot de sang. Oui, donc non, je pourrais pas vous le faire maintenant. Parce que, voilà, j'ai pas de temps à vous consacrer. Bah, j'ai pas plus de temps à vous consacrer maintenant. Par contre, j'ai bien envie de me faire ces deux petites... Oh non, mais tu vas te calmer, toi. Ok, donc t'as décidé de me chercher, hein. Tu sais quoi? Je vais te péter la gueule. Voilà. Je vous dis à... Oh là, j'ai déjà perdu quand même la moitié de ma vie. Je vous dis... Aimez cette vidéo si vous voulez. Commentez-la. Abonnez-vous si vous voulez avoir plus d'infos. Ou voilà, savoir quand je sors Xena. Pour ceux qui sont déjà abonnés, bah, restez abonnés. C'est tout ce que je peux vous dire, hein, pour l'instant. Jusqu'à ce que je sorte de nouveaux playthroughs, de nouvelles vidéos de Xena. Donc, je vous embrasse, je vous dis à dans deux semaines pour la suite de Xena. Et donc, voilà. Donc, à très bientôt. Ciao, bye bye. À plus.